Šemci Salahoviću da najavi Zvijezdu večer. Hvala. Djeco Bosanske, i vi vas lijepo, kako je lijepo slušati vaš smijer i vaš lijepo, ja sam i rastrati. Ako mi je pomogu, brate, drago da čujem glas vas, koji ste borica u sati i došli hiljadu kilometara i vi nemate strpljenja da zašate svoju braću. Molim vas, molim vas, večeras trebite se 20 minuta i posle naše druženje prošlo. Od Rastom i na Varu. A ja kad sam ga sveo prvi put, bio je nestašan i su moji djecu. I ja njega volim. A on na sve strane u Švicarskoj dobija aplauz. Hoću večeras da dobije aplauz i onda odakle poseže njegov korijen. Njegov korijen poseže iz sela Mađas od porodice Alić, a on se zove Sami. On m'a pas dit en fait, je suis bosniaque, mais je vais le faire en français ce soir parce que si ça joue pour vous, peut-être. Ok. C'est là. Bonsoir. Beaucoup d'émotions de jouer ce soir devant mes gens, devant mon peuple, devant ma communauté. Et surtout devant mon père, Ben Chiravitch, qui est venu ce soir. Alors, vous le savez peut-être pas, mais mon père, officiellement, il a 3 enfants, officiellement, déclarés. Peut-être qu'il y en a plus, je sais pas. Alors, il faut savoir que mes frères, alors, sans compter qu'il a beaucoup de neveux, de fistons, donc moi, et on avait très peur de mon père, Béchir, parce qu'on l'appelait un petit peu le commandant. Comme chez Enzo commandant. Maintenant, il y a commandant Béchir Arich. Parce que à chaque fois qu'il rentrait dans la chambre, il disait « Dieu Moïsque !» La police. J'avais beaucoup peur de mon père, parce que mon père m'a beaucoup tapé. Avec la ceinture. C'est pas drôle, hein. Parce qu'à chaque fois que mon père il sortait la ceinture pour me taper, il avait 3 étapes. Première étape, il devenait rouge. Deuxième étape, il sortait la langue. Troisième étape, il pétait les plombs. Alors, moi je suis bosniaque, hein, je le dis, hein, je suis bosniaque. Je suis un petit peu un mélange, je suis un peu un mélange entre le turc et le russe. Un peu un mélange entre les kebabs, la vodka et la kalachnikov. Et il faut savoir que je suis fier de mon pays. L'autre jour j'étais à Paris et j'ai rencontré une bande de jeunes à Paris, des gangsters. Et ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Wesh, attention là, moi je viens du 9-3 là, fais pas ton malin. » J'ai rigolé. Et je me suis dit, imagine ce mec qui vient chez moi en Bosnie et il dit la même chose. Wesh, attention là, moi je viens du 9-3. En Bosnie, ils vont dire, ah ouais, reste tranquille parce que chez nous il n'existe pas de numéro. Alors il faut savoir aussi que j'ai une mère qui a un petit peu de la peine à lire le français. Bon, ça c'est normal. Il faut savoir que quand même après 20 ans d'efforts, donc 20 ans dans ce pays, à un moment donné, il faut que tu fasses des efforts. Parce qu'à chaque fois... Bonsoir, au fond, ça va? Ça va, il y a... Je vous dérange pas? Ah, ils sont en panique hein, dans les cuisines, hein. Regardez. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la gueule du cuisinier. Les cuisiniers comme ça, il n'y en a pas partout dans le monde, hein. Attention. Hein.
Alors, moi je me disais, ma mère, elle a de la peine à lire le français. Et à chaque fois que ma mère reçoit des lettres ou des factures, elle m'appelle et c'est à moi de les lire. Je te jure, elle panique, elle sait pas lire la lettre. C'est vrai que même moi, quand je lis cette lettre, je comprends rien à ce qui est marqué. Il pourrait faire tellement plus simple pour les étrangers. Ce serait tellement plus simple de mettre en dessous de la facture problème ou bien non problème. Comme ça, au moins, c'est clair, tu vois. Au lieu de ça, il conclut la lettre avec des Madame, Monsieur, avec une salutation distinguée, 1000 francs à charge. Et là, ma mère, elle me regarde, elle fait ok, j'ai gagné 1000 francs ou j'ai perdu 1000 francs? En tout cas, c'est très émotionné d'être ici, enfin. Je vais pas faire long parce que je suis pressé, j'ai des trucs à faire. En plus, je voulais juste venir un petit peu, me rendre visite. Vous passez une bonne soirée? Les mecs là, ils sont en galère. Hein. C'est un petit peu, ça se passe bien. Ouais, je t'ai vu. Toi aussi, je t'ai vu, merci. Ouais, super. Alors, merci à tous. Fala Puno. Senab. Fala Puno. Как se zove ona? Alija. Fikret. Borci, naši borci koji su došli večeras. I... A, sad se svako čuje. Odo ja, pošto gledaju na neki malo... Selam aleikum. Selam aleikum. Ja pat buku, tu pat français, ja buku person ki ne comprend pas. Ja français, tu di, ja dolazim iz Mačeha. Ja dolazim iz Mačeha. I zato što dolaziš iz Mačeha, nemoj da bježiš. Nikad nismo bili strašni, nikad nismo se plašili nikom. Ovo nije u ruci. Ja držim tvoj nastup. U Ženevi, to je bio dan konfederacije svih. Nastupo si perfektno. Bio si sa žanem komedikovo, sa mnogim, ali si bio najgledanim tu večer. Šta je te inspirisalo na to? Ču kontrolom kjeske ću živiti. Oui. Ja sam narastao tako i počeo sam da glumim neke. Gledao sam oca svoga, mater, svoju familiju, svoju braću. Pratio sam neke stvari i uradio sam to što sam uradio. Posle nekoliko godina nije niko vjerovao u mene, uvijek su rekli nećeš nikad niti, šta komedija, šta to, će, to mi će, će. Tako je. Bravo. Zaborava prema tvojom selu, lebo da je drago. Meni je drago što si bio djeca, jer Mohamed je malo na bosansku. Malo ću opet. I malo opet trebaš. Ja ti dajem 5 minuta, potruju se na bosansku. Ja se plašim, ako budemo sve pričali na francuskom, nestanemo. A da ne nestanemo, nastane samo. Dobro, ja ću zadnji licu raditi na naš jezik. Molim Allaha da mi pomogne da razumijete. Sad ovi ništa ne razumiju, ali nema veze. Došao je jedan, zvao me Portugalac, jedan moj najbolji što sam narastao u Portugalu, u Porto sam došao, stigao sam tamo. I vidio sam da Portugalci imaju imena 2 kilometra. I došao moj Jaran u Bosni, u diskoteku smo izašli i baš diskoteka, tu stoji neki, kao neki, neki mikrofon, nešto kako se zove, gdje bi se čovjek prezentirao, pritisne na dugme, kaže njemu, izbacivač, prezentacion, a Portugalac, zovem se Pedro Miguel Poleta,
Mendes Santos, Jorge Ferreira da Silva, Pintos João. Oh caralho! Kaže njemu, ok, učite svi samo za njih, ne može. Hvala puno. Samire moj, izrećem ti veliku zahvalnost u ime naroda Mačac iz opštine Vrlići, Vlasenci, države Bosne i Hercegovine. Hvala ti, živi zdrav bio, pa se vidimo i naredne godine. Hvala puno. Ja se zahvaljujem našem Samiru, legendi Titi. Ako vjerujete da ima na sve strane ponude, ali kaže večeras, Bečinu ne smijem pogaziti. Kaže, ako ne dođe, će me Beču da bije, kaže. Tako je mene neko ispresali i moramo se zahvaliti i našem Beči koji je učinio sve da Samir održi riječ i Samir je održao i nadam se da vam je bilo zabavno sa njime. Ostavljamo vas jedno 20 minuta da večerate, znači u stihu neku muziku, pa ćemo dalje ako Bog da nastaviti za jedno 20 minuta. Hvala. Oj, sine. Samo malo babo da snimim. Pa da, ha? Edo, Edis. Edo, Edis, koji? Nije, sine, Edo, Edis, on je u Irskoj, nije tu taj. Ode večeras na YouTube, pogledaj ono, danas, nabačeno je već. Ne smijem ja jer to se i dalje ubija ko to udarni. Thank you.
ovo za sema, onako, dobro. Elhamdulillah, dobro je, dobro. Samo kulturno jedi. A. Ukratko ću ovo.